Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de nous occuper du sujet du jour, quelques petits remerciements. D'abord à l'ami Alexandre, qui m'a envoyé une petite enveloppe timbrée pour que je lui envoie des autocollants. Je lui ai fait ça il y a quelques jours. Merci à toi pour ta gentille petite lettre. Et je t'enverrai un petit mail où je t'appellerai. Toi aussi, tu vas recevoir un des merveilleux autocollants que l'ami Morgane nous imprime gracieusement. Tu sais comment faire. Tu envoies une petite enveloppe timbrée à l'adresse qui est dans la description. Et je t'envoie ça très très vite. Comme vous avez pu le voir dans les deux épisodes précédents, je suis en train de faire mumuse avec ma découpeuse vinyle. Et j'ai fait quelques stickers. J'ai des grands formats. J'ai des moyens formats, je les mettrai à vendre pas cher, je sais pas combien exactement, mais ceux qui sont intéressés par des stickers, je sais pas quelle taille ils font. Alors ceux de taille moyenne, ils font 14 cm par 6,5, et les grands formats, ils font 20 cm par 8,5. Donc c'est plutôt des trucs pour mettre sur votre ordi, tu as envie d'afficher ta barbitude sur ta voiture, voilà. Il y en a, je sais pas, il y en a une vingtaine, une trentaine. J'en ai même fait des rouges, qui sont pas, je suis pas convaincu par le rouge. Mais voilà, je teste, alors ça me permet de tester ma découpeuse vinyle, la fiabilité, la qualité des découpes, etc., etc. Et je ferai un épisode un peu plus long sur, justement, les spécificités de la conception sous Illustrator ou sous Inkscape, pour la découpe vinyle. Avant de passer au sujet du jour, un dernier remerciement à l'ami Lionel. À l'ami Lionel qui m'a chopé ça dans ma wishlist Amazon. C'est ce qu'on appelle une featherboard. Ça va avoir un nom, ça permet de presser les trucs quand vous voulez faire des découpes et d'éviter que les objets bougent. C'est super sympa, merci à toi. Je vais utiliser ça dans de futurs épisodes. Merci beaucoup. Comme vous avez certainement pu le voir, le rythme a un tout petit peu changé ces derniers jours. Et la cause qui me paraît évidente, puisque j'ai les deux pieds dedans, c'est que je suis en train de créer ma structure. Et il y a plein de questions qui se posent. Quel est le concept déjà derrière cette structure? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vendre? Sous quelle forme? Avec qui? Pourquoi? Et toutes ces questions-là prennent du temps. Et j'ai pris justement une petite semaine où j'ai pu être en contact avec plein de gens. Ça va continuer pendant le reste de cette semaine, où justement j'essaye d'affiner le concept de la boîte que je veux créer, quelles vont être les sources de revenus, quel est le business model, etc. etc. Déjà merci à Julien, à Thierry, à Guillaume, à Jacques et à tous les autres. Merci à Jérôme Kenborg de la chaîne Naotech, avec qui je suis allé bouffer. Merci à tous ces gens de participer à cette discussion. Et justement, le but de ce Barbu Nawak, c'est de justement vous faire participer à cette discussion et d'avoir aussi vos retours. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour répondre aux commentaires, mais vous inquiétez pas, je les regarde tous. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Première chose importante, je vais pas créer cette structure seule, puisque je m'associe avec l'ami Sylvie Pereira, qui a une chaîne géniale que je vais mettre dans la description, bien sûr, qui a un peu la même problématique que moi. Donc elle sort d'une période de boulot, elle a pas trop envie, comme moi, d'aller retravailler un boulot normal, et elle cherche des moyens de financer, plus ou moins, nos activités. On a discuté, je lui ai expliqué un peu le concept de la future boîte. Elle est vachement intéressée, on est un peu dans la même situation. On a des communautés qui se rejoignent mais qui sont complémentaires. Et aussi, on a des talents qui ne sont pas complètement les mêmes. La première affection, c'était, j'ai à peu près entre 100 à 150 balles de frais fixes de structure, ce qui veut dire domiciliation, comptable, frais bancaires, etc., etc. Si on est à deux, ça veut dire qu'on peut les mutualiser. Donc les frais fixes passent de 150 balles à 75 balles. Je ferai un épisode spécial sur la structure, a priori on part plutôt vers une SARL. Et donc j'ai listé et regroupé un peu toutes les sources de revenus potentielles. Je vous en ai parlé la dernière fois, ça s'est un peu enrichi, et surtout j'ai essayé de les faire par catégorie. Donc chaîne YouTube, prestations,
fabrication, vente d'objets physiques, formation, merch, édition, etc., etc. Et quel va être le but de cette entreprise? Alors, je pense que le but de cette entreprise, déjà, un, son nom, ça va toujours s'appeler Barbitude Production. Le but principal, ce sera bien sûr de la production vidéo, mais pas que. Le but dans l'année qui vient, c'est de pouvoir tester toutes ces sources de revenus et de surtout tester les business models qui sont derrière. Pour pouvoir, un, arriver à survivre un petit peu et à faire vivre la boîte, mais surtout pouvoir tester tout ça et voir quels sont les concepts et les business models qui ont des jambes, comme on dit, c'est-à-dire qui ont un potentiel intéressant, et ceux qui sont complètement foireux. Ça, c'est le premier temps. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va tester. Il y a des prestations, comme des formations, par exemple, etc., etc. On va aussi tester pas mal de choses liées à la fabrication et à la vente. Donc, c'est des kits, plein de choses, mais j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Il y a aussi des choses dans la formation, dans le merch, dans l'édition, etc., etc. Mais cette activité n'est pas soutenable. C'est-à-dire que si j'arrive à vendre une centaine de t-shirts par an, c'est peut-être le maximum que j'arriverai à faire. Parce que mon audience est de, je sais pas combien de milliers de personnes, et donc il y a un pourcentage limité qui va vouloir acheter un t-shirt ou un sticker ou un machin. Et donc, dès que tout le monde a eu un t-shirt et un sticker, ben ton marché tombe, entre guillemets. Et donc le but à terme, c'est d'étendre ça, c'est-à-dire de trouver des moyens qui aujourd'hui sont inexploités ou sous-exploités, et d'arriver à les proposer à d'autres personnes. Ça reste encore un peu embryonnaire, et le concept se raffine au fur et à mesure, mais c'est ça. Le but, c'est d'avoir une structure un peu fourre-tout, où on va pouvoir tester plein de concepts et plein de business models, voir à notre niveau à nous, entre Sylvie et moi, quels sont ceux qui sont potentiellement intéressants. Et ceux qui sont intéressants, en fait, c'est de les sortir de cette structure numéro 1, Barbitude Production, de créer une structure spécifique pour eux, et d'essayer de créer un business autour de ça. C'est un peu la vision à long terme. La deuxième chose aussi, qui nous tient à cœur, c'est de faire justement des choses par les créateurs, pour les créateurs. Ça veut dire des gens qui créent des vidéos, et le faire pour aussi des gens qui créent des vidéos. Donc si on a des bons plans ou des trucs qui sont fun à mettre en place, le but c'est justement de proposer ça à la communauté des créateurs, et potentiellement aussi de pouvoir faire travailler ou embaucher des créateurs. Puisque toujours notre but, c'est d'arriver à vous fournir plus de contenu, mais d'arriver à grailler quand même. Et le modèle autour de la publicité demande des chiffres qui sont tellement hallucinants, qui sont complètement inatteignables. Et donc je pense que cette espèce de modèle qui commence à se définir peut être intéressant. Ça reste bien sûr de l'hypothétique, il reste encore beaucoup de boulot. Pendant le reste de la semaine, je vais continuer à discuter avec plein de gens, d'horizons relativement différents, pour justement un peu confronter nos idées à moi et à Sylvie par rapport à la réalité du business et à la réalité des vrais gens. Et je pense qu'en début de mois prochain, ce qui veut dire en début de semaine prochaine, on va se lancer officiellement. On va aller... Déjà, faut que je trouve un comptable, qu'on fasse des statuts, qu'on dépose ça au CFE, qu'on aille créer... un compte en banque, etc., etc., et tous les trucs administratifs un peu chiants. Même si c'est encore un peu flou, le concept se précise. En tout cas, on a passé beaucoup de temps avec Sylvie à échanger, aussi bien physiquement que par téléphone, pour justement voir si on était dans la même optique, si on avait les mêmes envies, et si on voulait aller dans la même direction. Et pour l'instant, tous les feux sont en vert, il y a encore quelques petites choses à valider et à être vraiment sûr qu'on est complètement sur la même longueur d'onde, mais à 98%, on est OP. Et je pense que c'est une super bonne idée de s'associer avec elle. Sylvie, c'est quelqu'un de talentueux, d'intelligent, qui, loin d'être conne, et qui va aussi me permettre
d'être pas tout seul et de pouvoir avoir quelqu'un avec qui réfléchir et justement de pouvoir aussi aller justifier les décisions à prendre. Ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo de justement pourquoi s'associer et pourquoi prendre des associés. En tout cas, voilà la direction que ça prend. Je vais essayer dans mes moments un peu vides de produire quelques vidéos et pouvoir vous les proposer. Si j'estime qu'elles sont de qualité insuffisante, je ne les balancerai pas. J'ai pas envie de butcher des vidéos juste pour remplir entre guillemets mon calendrier YouTube. Le but, il est quand même d'essayer de vous proposer des épisodes de bonne qualité et qui pourront vous être intéressants. Mais voilà en tout cas là où on en est. Pour résumer, je m'associe avec Sylvie, le concept commence à se raffiner. Il faut aussi penser à l'avenir et à la scalabilité, mais ça j'y reviendrai dans un futur épisode. Il y a du potentiel, mais il faut tester tout ça. Et c'est ce qu'on va faire dans cette première structure, tester des concepts et des business models, voir s'ils sont intéressants, et ensuite essayer de travailler là-dessus. Pouh ! Ben, y en a du boulot. Alors c'est génial, c'est excitant, mais super stressant. Et stressant, et excitant, et restressant derrière. Aujourd'hui, je ne me vois pas aller essayer de retrouver un travail normal, entre guillemets, en tant que salarié. J'ai vraiment cette envie de développer, justement, plein d'activités et de tester et d'essayer de trouver un business model et surtout bah, de voir quelle est la viabilité de tous ces trucs, aussi bien à notre niveau à nous qu'à une échelle un peu plus grande. Voilà, c'est tout. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu as des commentaires, tu as envie de nous transmettre ton savoir, tu sais comment faire. Tous les liens pour nous joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Christian, aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépette et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode un peu update, création d'entreprise de Barbu Nawak, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.